Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue et merci d'être venu en nombre pour assister à cette masterclass assez exceptionnelle avec Robert Kirkman. Donc, nous expliquons un petit peu le déroulement de la masterclass. Pendant à peu près une heure, nous allons nous entretenir avec Robert Kirkman sur évidemment l'ensemble de son œuvre. Et comme vous êtes nombreux, nous vous laisserons un temps suffisant pour que vous puissiez évidemment poser toutes vos questions, parce que nous n'aurons pas le temps d'aborder, loin de là, en une heure, toutes les œuvres ou toutes les facettes de l'œuvre de Robert Kirkman. Donc nous avons été obligés de faire un choix, comme nous avons fait un choix pour l'exposition. Choisir, c'est renoncer, hélas. Et donc, voilà, donc nous ne pourrons pas tout aborder, donc n'hésitez pas évidemment à poser les questions sur toutes les œuvres, tous les points qui n'auraient pas été abordés. Donc je vous demande d'accueillir très chaleureusement Robert Kirkman. Robert Kirkman. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Donc la traduction, comme vous pouvez le voir, ne sera pas une traduction simultanée mais consécutive, donc avec Mike, notre traducteur, le traducteur attitré. Voilà, donc il y aura un petit moment évidemment à chaque fois de décalage, mais ça nous a semblé peut-être un peu plus clair en termes de traduction, et plus efficace aussi et plus précis. J'essaierai de faire plus court que lui, voilà, simplement. Oui, ah, bravo. Très bien, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Robert, vous avez un nombre de casquettes assez impressionnant, et vous êtes évidemment le créateur d'œuvres majeures de la bande dessinée américaine telles que Walking Dead, Invincible, Outcast, Oblivion Song. J'en cite d'autres qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, Le Maître Voleur, Super Dinosaur, Haunt, Die 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 tout récemment. Vous avez également collaboré à plusieurs reprises avec Marvel, notamment sur un run de 2 ans sur la série Ultimate X-Men. Vous avez également collaboré à des titres comme Captain America, Marvel Zombies. Je ne peux pas tous les citer évidemment. Vous êtes partenaire par ailleurs de l'éditeur de comics indépendant Image Comics depuis 2008, au sein duquel vous avez créé le label Skybound. Vous êtes aussi scénariste, producteur, coproducteur pour la télévision avec Walking Dead, Fear the Walking Dead, Outcast. Et il y a des projets à venir, il semble, pour Invincible. Peut-être que vous nous en direz un peu plus à la fin, vous nous lâcherez forcément un scoop d'ampleur mondiale. Merci. Bref, comme a dit Romain, on n'aura pas le temps de tout aborder, il y aura forcément des frustrations, donc nous allons essayer d'être le plus efficace possible. Et on va commencer... avant de rentrer dans le détail des œuvres, donc là derrière nous, nous avons une splendide case d'Outcast qu'on a tenu juste à vous montrer en préambule pour rappeler que, contrairement à pas mal d'auteurs illustres de l'univers des comics, vous n'êtes né ni à New York, ni à Los Angeles, ni dans une grande cité américaine, mais vous êtes né dans un cadre rural. Vous êtes né dans le Kentucky en 1978, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais nombre de vos séries, en tout cas emblématiques, se déroulent dans un cadre qui n'est pas du tout urbain. Est-ce que vous avez donc, est-ce que cette fibre, alors bucolique, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, rural peut-être, rural, oui, est quelque chose qui est encore très importante pour vous et que vous avez, vous avez souhaité, à laquelle vous avez souhaité rendre hommage quelque part à travers une œuvre comme Outcast et peut-être d'autres. Yeah, I think so. I mean, you know, they say write what you know. I believe in that. That's the easiest thing to do. Writing what you don't know requires a lot of research, which doesn't sound fun to me. So that's kind of the way I do that. I was very much a part of rural America. It's where I've lived most of my life. The people I've encountered have very much inspired the kind of stories that I tell, and I think it's something that is very much ingrained in almost everything that I've ever done.
Oui, bah effectivement, bien sûr. C'est évident, on dit qu'il faut écrire sur ce qu'on connaît, parce que quand on écrit sur ce qu'on ne connaît pas, bah, ça demande de faire des recherches documentaires, et ça n'a pas l'air fun du tout. Donc oui, bien sûr, ce que les gens que j'ai rencontrés, j'ai vécu dans une communauté rurale quasiment toute ma vie, et donc forcément, oui, ça influe sur ce que j'écris. Et notamment, sur les séries rurales, donc à l'image, on a un dessin de Walking Dead, donc avec cette communauté d'Alexandria qui a été créée par Rick. On a évidemment dans Walking Dead en particulier et dans Outcast un traitement notamment de l'environnement, des lieux et des personnes qui sont effectivement des Américains entre guillemets moyens, c'est-à-dire c'est l'humanité moyenne. Justement, est-ce que ce cadre rural, ce cadre justement de petites communautés éloignées des grands centres urbains, justement, vous semble le matériau le plus intéressant à traiter pour votre œuvre ou pour une partie de votre œuvre? Yeah, I mean, I think most rural communities portrayed in fiction have, I think, probably a derogatory slant to them. And I think it is because a lot of those are written from like an outside perspective. But I think that, you know, you get more of a tight-knit community, you get more of a close community in a rural setting. You know, there's a lot said about, you know, they know everything about other people's lives, and it's you know, there's a lot of, you know, boundaries that are crossed because of that. But I think that, that sense of camaraderie that comes from a community like that works really well in fiction. I think it, you know, that's why I've kind of touched on it in Outcast and Walking Dead. You know, it kind of plays into the whole strength and numbers thing. You know, the bad part about it in real life is it can create a very real us versus them situation where this close-knit community fears anything that comes from, you know, outside of it. And that's bad. But in a work of fiction, that's actually a good engine for drama because you have a bunch of people cooperating and you have a very real reason why they're perceiving threats and they can work together to combat those. So it's useful, I think, in fiction. Bah oui, et effectivement, le fait est que très souvent, les communautés rurales dépeintes dans la plupart des bandes dessinées ont un côté négatif. Probablement parce que c'est écrit par des gens qui sont en dehors, c'est-à-dire des urbains, qui voilà, ne connaissent pas bien le fonctionnement. Donc c'est souvent traité avec soit un humour un peu féroce, soit enfin, de manière négative. Et donc en fait, non, moi ce qui m'intéresse dans la communauté rurale, c'est cette solidarité, le fait que tout le monde soit très proche. Alors bien sûr, il y a des côtés négatifs, comme bah, tout le monde sait tout sur tout le monde, voilà. Et il peut y avoir un côté encore plus négatif, qui est qu'on arrive souvent à des situations de nous contre eux. Voilà. Mais en même temps, sur le plan dramatique, bah, ça permet vraiment d'être un bon moteur. Donc voilà, c'est pour ça, pour ces multiples raisons que j'aime bien effectivement traiter les communautés rurales. I like to think he's sitting here saying, he said a few boring words, they're not that important. Ça y est, right. Il est en train de pourrir la masterclass. I don't need to translate them to you, I'm just going to ramble a bit to make you think that I'm translating. And now we will move on. You everyone, want us please to play along. You want us to fire Mike? That's also, is that what you want, Robert? Right. Thank you. No, I'm Irish, so I just talk. The rest is nothing to do with what you say. Nothing. On enchaîne avec, pardon, cette petite parenthèse. Alors, un personnage un petit peu connu dans l'histoire des comics, Spider-Man. Vous avez déjà dit dans des interviews, Robert, que vous avez... Votre premier accès à la culture comics a été, alors peut-être que je me trompe, mais via les comics Marvel plutôt, puisque c'était davantage les comics Marvel qui étaient distribués dans le Walmart du quartier où vous avez grandi. Walmart, une grande chaîne de magasins aux États-Unis très connue. En dehors de cet aspect pratique, pourquoi les héros Marvel et Spider-Man en particulier et Peter Parker en particulier vous parlaient davantage et pourquoi l'univers peut-être Marvel, en tout cas au début, en tout cas au moment où vous êtes éveillé aux comics, vous parlait davantage que d'autres?
I'm in France, so I'm trying to make all of my answers as complex and contemplative as possible. So I will just say they looked really cool. Je suis en France, donc j'essaie de faire en sorte que mes réponses soient les plus contemplatives, les plus vraiment profondes possibles. Donc je dirais juste c'était cool, le ils étaient cool, c'était cool ces BD. But in all seriousness, at the time, Spider-Man was married to Mary Jane, so they were a young married couple. Donc c'était 87, 88, 87, 88. 89, 90. They were struggling in New York City. They lived in an apartment. It was very much a world that I didn't really know anything about. I was 13 years old. So seeing the dynamics of a married couple and watching them struggle to make ends meet and seeing them living in an environment that was very alien to me, was just endlessly fascinating. He would fight supervillains too, and that part was cool as well. But the character aspects of it, really appealed to me. Ben, ce qui était intéressant pour moi chez Spider-Man, c'est que donc là, Peter avait épousé Mary Jane, donc il était à la fois en train d'affronter des super-vilains, mais en même temps de résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne d'un couple marié, à 13 ans, ne me parlait pas du tout, et en plus dans un environnement qui m'était étranger. Donc tout ça faisait que c'était absolument fascinant. Vous êtes non seulement passionné de comics, mais aussi passionné d'histoire des comics, puisque vous avez produit une mini-série documentaire il y a 3 ans de ça, je crois, en 2017, pour la chaîne américaine AMC. Une mini-série sur l'histoire des comics américains. Histoire secrète. Histoire secrète des comics américains. C'est important pour vous, cet aspect de transmission de l'histoire des comics? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure? Well, I think comic history is an endlessly fascinating subject. There's amazing conflicts. There's amazing stories behind the scenes. The people that created the comics are endlessly fascinating. And I think it's just a really great topic to explore. But more than that, it's something that the general American public is not 100% aware of. Most people know who Stan Lee is, and they think that Stan Lee invented Superman. You know, they think he did everything. It's nice to be able to pull the curtain back and say, yeah, Stan Lee is great, but there's just an amazing array of other talented individuals I'll say Jack Kirby and Steve Ditko, just because they did not get mentioned enough, that really contributed to this, vast array of material that we all enjoy worldwide to this day. Oui, donc c'est un sujet vraiment totalement passionnant, non seulement pour ce qu'on découvre sur les comics eux-mêmes, mais sur les coulisses également, et sur tous les créateurs. Et c'est une chose dont une connaissance dont la majorité du public américain est un petit peu ignorante, donc c'est pas mal de rafraîchir. Et ils ont tendance à s'imaginer que Stan Lee a tout fait, et qu'il a entre autres inventé Superman, mais pas du tout. Et ça permet aussi de jeter un coup de projecteur sur des gens qui ne reçoivent pas cet éclairage suffisamment, comme Jack Kirby, Steve Ditko, qui ont été, et d'autres acteurs majeurs. Donc c'est vraiment très intéressant, effectivement, comme sujet. Moi, je m'en lasse pas. And it's really a perfect example of a medium where the stories behind the creation of the stories is almost as interesting as the stories themselves. Et effectivement, dans ce médium, c'est vraiment passionnant de voir les histoires qui sont déroulées en coulisses sur la création de ce que nous lisons tous. C'est quasiment aussi fascinant et intéressant que les histoires elles-mêmes. All right. Ça, j'adore. Votre premier contact avec Image Comics, était-ce bien Youngblood? Oh yeah, yeah. I mean, Youngblood was the first Image comic to be published, and I was very much there from day one. It was a big moment for me. So yeah. Oui, bah oui, effectivement, c'était le premier comic book qui a été publié par Image. J'étais là dès le jour 1, donc effectivement, c'est très important pour moi. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette, alors vous l'avez souvent raconté, évidemment, cette relation à Image Comics, mais c'est une histoire qu'on peut rappeler, c'est-à-dire c'est 7 créateurs de comics
qui décide de s'affranchir donc notamment d'un certain nombre de contraintes éditoriales ou commerciales chez les gros éditeurs, notamment Marvel et DC. Et donc vous, ça a été votre premier contact avec Image, et ensuite, je crois, vous avez plongé dans cet univers spécifiquement d'Image Comics avec des auteurs comme Todd McFarlane, par exemple. Yeah, I mean, it's for someone who wasn't there, who wasn't alive at the time or reading comics at the time. I know some of you are somehow younger than me. It's an unprecedented event that's never really happened anywhere in entertainment, inside or outside of comics. To have seven of the absolute top creators of the time basically leave their most successful gigs at Marvel and create their own creations, create their own company, funnel all of their creative energy into their own efforts. It was absolutely inspiring. They were some of the most business savvy creators that had ever existed, in that they knew that they had a very captive audience, myself among them. I was 13 at the time. And they catered to that audience by doing creations that were almost more appealing than what they were already doing at Marvel. And they were able to funnel that audience to their company, taking basically the profit center that Marvel was using them to generate and making it work for themselves. And it's been something that, still to this day hasn't really been replicated. And so for me, I'll save that. You go ahead and translate that. Bon, thanks. C'était un événement sans précédent, non seulement dans la bande dessinée, mais aussi dans tous les médias. Simplement le fait que les sept plus grands créateurs de l'époque, avec des séries qui marchaient extrêmement bien, décident de renoncer à ces séries, de partir tous ensemble, créer leur propre compagnie, et leur nouvelle création. Et en plus, c'était non seulement des artistes et des scénaristes hors pair, mais en plus des gens qui étaient très avisés, qui avaient vraiment le sens des affaires. Donc ils ont trouvé le moyen, en fait, de faire appel à ce public qu'ils avaient acquis chez Marvel, dont moi, puisque j'avais 13 ans à l'époque, et à réussir à faire en sorte de leur offrir des créations encore plus attirantes que ce qu'ils avaient chez Marvel, et du coup aussi de comme ça, en tant que compagnie, en tant qu'entreprise, prendre les profits qui allaient jusque-là à Marvel et les amener à leur propre entreprise. Donc ça a été absolument sans précédent et une inspiration, et ça jusqu'à ce jour. And for me, I was 13 at the time. Again, I already said that. We'll go on. Just want everyone to know I was 13 once. But my father was a small business owner, and he had gone to work for himself, and had always kind of told me, try to find something that you love, try to make that your job, and try to work for yourself. It's very important to be in control of your own destiny. It's nice to be in a position where you can't be fired. And he had always kind of instilled in me this sense of trying to go your own way and do your own thing. And he was kind of drilling that into me at the same time when my comic book entertainment heroes were doing the exact same thing in a very splashy way that, all the magazines at the time had countless articles where they were talking about what they were doing. And it really just, it became the direction of my life. I wanted to, even if it wasn't necessarily for Image, I wanted to, produce my own comics, own my own comics, control my own comics. It was something that that I basically from age 13 to age 20, every minute of every day was spent, learning how to do comics, learning what needs to go into them, figuring out how to tell stories, all the way to my late teens when I was learning how to, publish comics and distribute comics and do this all to, achieve this goal that I had been inspired to do by a combination of the Image founders and my father. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est que mon père avait sa propre petite entreprise.
donc c'était un indépendant. Et en même temps que lui essayait de me faire comprendre que c'était très important d'être son propre patron, de ne pas dépendre de quelqu'un, de ne pas se retrouver dans la situation désagréable de se faire virer, en même temps, mes sept héros dans l'industrie du comics étaient en train de me montrer exactement la même chose, et d'une manière vraiment totalement visible partout. Parce que j'avais 13 ans à l'époque, pour ceux qui ne savent pas que j'avais 13 ans à un moment, voilà, j'avais 13 ans à l'époque, et donc ça me parlait vraiment de voir qu'il y avait cette coïncidence entre ce que mon père m'apprenait et ce qu'eux faisaient, et donc entre 13 et 20 ans, j'étais non seulement, à cause de leur exemple, des sets d'images, non seulement en train d'essayer d'apprendre à écrire des histoires, à les découper, à vraiment préparer mes créations, mais aussi à apprendre comment publier des comics, comment les distribuer, comment fonctionnait l'industrie, de manière à pouvoir être en contrôle après de mes propres créations, que ce soit pas forcément chez Image d'ailleurs, mais dans n'importe quelle situation. Voilà. I feel terrible for everyone in the audience who speaks English and France, or French. Mais on les voit pas. They love it. They love. Désolé, on fait au mieux, c'est vrai. Mais oui, on va parler un petit peu de Battle Pope et ensuite très vite d'Invincible. Mais juste avant, un numéro chanté. Non, je plaisante. Pardon. C'est très mauvais humour. Non, juste avant, je voulais juste deux petits mots sur votre construction culturelle au début des années 90. Le début des années 90, c'est quand même une période extrêmement bouillonnante en termes de séries télé. On a un vrai renouvellement artistique des séries à l'époque, avec des séries comme X-Files, qui est une série qui vous a un petit peu inspiré, je crois, pour Outcast. On a Twin Peaks, on a... En cinéma, on a évidemment l'éclosion d'un certain cinéma indépendant américain et de Quentin Tarantino avec Reservoir Dogs. Est-ce que, en dehors des comics, est-ce que vous avez été frappé en particulier par l'une ou l'autre de ces œuvres? Et qu'est-ce qui vous, en cinéma comme en télé, qu'est-ce qui était vos œuvres préférées et vos auteurs? Yeah, I mean, I was definitely watching all that stuff. There was also a wide array of television shows produced by Fox to air with X-Files. That it was like Strange Luck, VR5, Millennium lasted for a while. Oui. But there were Briscoe County Jr. that all lasted one season and then just got canceled. But they were all spectacular. And I would say that watching X-Files coupled with those shows for a number of years in my teen years definitely made me interested in some pretty weird stuff. Donc effectivement, je me suis, mais oui, bien sûr, ça m'a inspiré. Il y avait, oui, bien sûr, les X-Files, mais il y avait aussi d'innombrables séries de la Fox qui étaient vraiment très expérimentales, parfois comme Briscoe County Jr. et qui me fascinaient. Mais malheureusement, ça durait qu'une seule saison avant que ça se fasse annuler. Donc, bien sûr, tout ça m'a fortement influencé. Dans les montes pop préférées de Robert Kirkman, il y a aussi évidemment le cinéma d'épouvante. Je crois que vos parents n'avaient pas trop envie que vous découvriez ce style de cinéma-là. La première vision de La Nuit des Morts Vivants de George Romero, 1968, film évidemment matriciel de la culture zombie moderne, qui a été suivi ensuite par Dawn of the Dead, zombie en 1978, et Le Jour des Morts Vivants, Day of the Dead, en 85. Day of the Day, il y a un clin d'œil que les fans d'Invincible n'ont peut-être, qui n'a pas échappé aux fans d'Invincible, il y a un clin d'œil très explicite à un moment à Day of the Dead lors d'une case d'Invincible. Bref, cet univers du film d'épouvante, d'horreur, est-ce que vous pouvez me rappeler le moment où vous êtes entré en contact avec lui? Je crois qu'il y a du Hellraiser aussi à un moment. I mean, I don't really know. I know that, I mean, you're right, I wasn't allowed to watch horror movies as a kid. I think I snuck downstairs while my parents were watching the movie House. I don't know if that got released over House, here. House, oui, oui. Steve Miner. Yeah. Maison Hantée. And I don't think that movie is very scary, but watching it when I was 11 or 10 or whatever it was, to this day, I still remember scenes of that movie as the scariest movie I've ever seen. And I've never watched it since because I know it would be like, kind of a not that scary horror movie.
and it would ruin the effect for me. So I just keep that in my memory as a nice moment. But I think that movie scared me so much that they never let me watch horror movies after that. And so I was allowed to watch one movie every Halloween. They would let me rent a movie at the video store. There used to be these stores that you would go to that had movies in boxes, and you would go and you would borrow one of those boxes. You would pay to borrow a box, and you'd take it home, put it in another box, and it would show you the image. It's weird, but you remember all that. So every year I would rent Hellraiser because I thought that guy with the pins in his face looked cool. So that was probably when I fell in love with horror cinema. I only ever watched Night of the Living Dead when I was probably 16 or 17. One of the local channels aired it at like midnight or 1 a.m. one Saturday. And I stayed up and watched it with commercial breaks. And that was the first time I had seen a zombie movie, really. And I was just, you know, really taken by it. And then I'd always seen the Dawn of the Dead and Day of the Dead boxes. I'm going on too long, I apologize. In video stores, those things again with the boxes. But I had never been allowed to rent them, but I remember seeing the boxes. So when I became an adult, and I was like 19 when I moved out on my own, I bought Dawn of the Dead and Day of the Dead on VHS, and I think I watched them constantly, like almost every day for months, just because they're fantastic movies, but I just love the character drama, and I really love the world that Romero had created. I think the progression between Night and Dawn and Day is a really great snapshot of an apocalyptic world, and you know, because there is an evolution in each one of those, and they are very connected in a way that isn't apparent initially. I'll keep going, but you go. Groovy. OK. Alors en fait, quand j'avais 11 ans, donc effectivement, je n'avais pas le droit de regarder des films d'horreur. Et je suis quand même descendu de ma chambre. Et je me suis glissé sans doute sur la moquette près du salon. Et donc, je regardais House. Donc, Maison Hantée, hein, je crois, en français, ça. House, voilà. C'est qui n'est probablement pas le film le plus effrayant de tous les temps. Film mais, de 1987. Ouais, 87. Mais moi, ça m'a fait flipper, et ça reste à ce jour le film qui m'a fait le plus peur. D'ailleurs, je me refuse à le regarder aujourd'hui parce que je serais probablement déçu. Et du coup, j'avais quand même le droit pour Halloween, pour la Toussaint, d'aller dans ces étranges magasins de l'époque où vous alliez regarder, vous aviez des boîtes en présentation, vous alliez louer ces boîtes, vous mettiez cette boîte, la boîte qui était dans la boîte, vous la mettiez dans une autre boîte, et ça vous montrait un film, donc les cassettes, bien sûr. Et du coup, là, j'avais... Alors, c'était quoi j'ai regardé... what was it? Oh, damn, I hate you. Non, Hellraiser, voilà. Hellraiser, parce que j'ai trouvé ça hyper cool, parce que j'aimais bien la tête de ce mec avec la gueule pleine de clous, voilà, Pinhead. Donc, c'était parfait. Et en fait, Day of the Dead, Dawn of the Dead, je ne les ai regardés que vers 16-17 ans. Et pas 16-17 ans d'ailleurs, non, un peu plus tard. En fait, j'ai eu mon émancipation à 19 ans. Et quand je me suis finalement émancipé, j'ai acheté Day of the Dead, Dawn of the Dead. Et du coup, je me les suis passés pendant des mois entiers. D'abord parce que ce sont des films extraordinaires. Et maintenant, ça y est, ça me revient. C'était à 16-17 ans que j'ai vu Romero, La Nuit des Morts Vivants. Ouais. Oui. Je crois que c'est ça. Mélange, mais de toute façon, tout le monde parle anglais, donc on se demande pourquoi je discute. Et résultat, donc ça a fortement emprunt ma culture. Ça a été le début. Et justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vraiment, entre l'œuvre de Romero, Day of the Dead et Dawn of the Dead, il y a une sorte de magnifique suite post-apocalyptique qui donne une vraie idée de ce qui a fait les fondations du genre. Okay. Merci. Eh oui, mais oui, vous pouvez, parce que tout le monde ne parle pas anglais dans la salle, et c'est un vrai challenge pour notre camarade. C'est cool qu'il y ait une personne. Yes. But to continue that, because I wasn't the full answer. oh,
On a rajouté deux heures dans la tronche, ouais, c'est tout. You know, it was watching those Romero movies and realizing that I was enthralled by these characters, but I wanted more from each one of them that inspired The Walking Dead. And, you know, I've said countless times that without the works of George Romero, there is no Walking Dead. I love to say that George Romero is to Robert Kirkman as Bram Stoker is to Stephanie Meyer, because I took the inspiration from his works. Great quote. And I turned it into a sparkly soap opera that is a just a disgusting perversion of the work that he had done. Bah c'est bien, il assume. Donc oui, évidemment, je dis souvent que sans Romero, il n'y aurait pas de Walking Dead. Et j'ai adoré ces films, j'ai adoré les personnages dedans, mais je voulais toujours plus. Et c'est ce qui a fini par contribuer à la création de Walking Dead. Et je crois qu'on pourrait dire... Je ne sais même pas si je peux dire ça. Romero est à Robert Kirkman, ce que Bram Stoker est à Stephanie Meyer, Twilight pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc voilà, je me suis, j'ai été absolument ravi de faire une sorte de soap opera à partir de l'œuvre géniale de Romero. Donc voilà, je suis Stephanie Meyer, ça n'est pas possible. Pardon. On est bon, alors on doit enchaîner parce que évidemment le temps file très très vite. On voulait parler de Battle Pope, qui était une œuvre de vos débuts assez révélatrice de votre goût pour un humour très provocateur. Bon, à moins que vous ayez vraiment un truc à nous dire décisif sur Battle Pope, qui est... Non, we can move on. Okay. Vous pourrez le découvrir. The less said about Battle Pope, the better. Ah, ok. Moins on en dit, le mieux. Il est pas super fan. Bon, les débuts vraiment marquants de Robert Kirkman sur le papier, c'est Invincible, qui est une saga qui a débuté aux États-Unis quelques mois avant Walking Dead. C'est donc une saga au long cours. C'est l'autre grande saga au long cours écrite par Robert Kirkman. Invincible, c'est un jeune super-héros. C'est un super-héros que nous découvrons à l'adolescence. Là, ce que vous voyez, c'est la toute première case de la bande dessinée. C'est la toute première case qui nous fait découvrir le héros. Il est déjà en pleine action. C'est une... Romain a dit merde. C'est une action in media res, comme on dit. Et Invincible, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, son nom, c'est donc Mark Grayson. C'est un adolescent d'une bourgade américaine, dont on ne connaît pas trop le nom, d'ailleurs. Et qui va découvrir que... Pardon ? En fait, il vient de me dire qu'on n'a jamais su. Oui, c'est ça, on est d'accord. J'avais tellement peur de dire une bêtise, parce que c'est tellement vaste, c'est une saga tellement énorme, il y a tellement de détails narratifs, tellement de personnages, tellement de sous-intrigues, d'espèces, qu'on s'y perd. D'espèces. Et d'espèces, d'extraterrestres, de gens, etc. Bref, Invincible, c'est Mark Grayson, c'est un adolescent américain qui va découvrir qui, à 7 ans, apprend de la bouche de son père, Nolan Grayson, que son père, en fait, est un extraterrestre, qui vient d'une lointaine planète qui s'appelle la planète Viltrum, et son père est en fait à une double identité. Il est lui-même un super-héros qui s'appelle Omni-Man, et dans le civil il est écrivain, auteur de best-seller. Et lorsque Mark Grayson, Invincible, a 7 ans, son papa lui raconte la vérité sur ses origines et il lui dit: un jour, mon fils, toi aussi tu auras des super-pouvoirs et tu seras un super-héros. Au début d'Invincible, Mark Grayson arrive à l'âge où il découvre ses super-pouvoirs. Donc on a un arc qui pose vraiment les bases d'un personnage à la destinée qui évoque à la fois, évidemment, Spider-Man, Peter Parker, mais aussi on a beaucoup de Superman là-dedans, hein, du fait des origines extraterrestres du papa. Et donc nous découvrons le personnage d'abord sur une première case en pleine action. Et quelques cases plus loin, il y a un flashback, et ça c'est une technique narrative que Robert Kirkman aime beaucoup utiliser dans ses bandes dessinées, ce jeu entre le passé, des allers-retours entre passé et présent. Et après que nous ayons découvert une première action, un peu comme un James Bond d'ailleurs, de Invincible en pleine action, on découvre, il y a un petit flashback, et on découvre le héros dans le civil, Mark Grayson, première case, bim, aux toilettes, en train de faire ce qu'il vient faire, et en train de lire d'ailleurs une BD de Science Dog, puisque c'est un geek aussi, Mark Grayson. Alors, est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez décidé de montrer comme ça
Est-ce que c'est juste ça vous, ça vous amusait de déconstruire à ce point le héros jusqu'à le montrer comme ça sur le trône? Oui, c'est une question très intellectuelle. Well, I thought it would be representative of the fun nature that I was going for to go from a big action sequence to a bathroom sequence. But also, before the invention of the phone, smartphone, that's where most comics are read. And so I think that, you know, having a superhero comic, and it's kind of meta that I thought that the majority of readers would be on the toilet while they were reading this comic, seeing Mark on the toilet. Comme vous. And I thought that was funny. Just like you, you know. Yeah. I wrote it on the toilet. I mean, it was... Donc je l'ai écrit aux toilettes. Il y a des scoops pendant c'est surtout pour ça, ouais. Je l'ai écrit aux toilettes. Maintenant, en fait, je trouvais que c'était intéressant. Bah, je voulais aller vers un ton plus fun que, par exemple, Walking Dead, et même si ça a été écrit avant. Et donc, puisque en plus c'était une histoire méta, je trouvais que c'était intéressant que de me représenter en fait le lecteur sur ses toilettes en train de lire la bande dessinée. En voyant la case, voilà, de passer comme ça d'une scène d'action à une scène de toilette, ça me paraissait vraiment pas mal. Et puis, avant l'invention du smartphone, c'est aux toilettes que la plupart des lecteurs lisent des comics. Donc, voilà, ça paraissait tout à fait logique. Stan Lee a souvent dit qu'il avait mis pas mal de sa propre personnalité, certains éléments de sa personnalité dans le personnage de Peter Parker de Spider-Man. Est-ce que vous... Est-ce que Mark Grayson, c'est vous aussi, quelque part? I think Mark Grayson and a lot of the more altruistic characters that I write are more who I want to be than necessarily who I am, if I'm completely honest. It's who I strive to be, but, you know, you kind of fall short from time to time. But I think Mark's sense of, hey, this is crazy, guys, can we talk this out? Like... What are we doing this? I do that from time to time, and I think that his mode of trying to get to the heart of situations and figure out a best way to get through them is probably a trait that he gets from me. But yeah, that's probably it. Voilà, la plupart des personnages en fait qui sont pas hyper réalistes dans tout ce que j'écris, bah, ne sont pas tellement qui je suis, mais qui j'aimerais être. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a un élément qu'on retrouve qui est vraiment de moi, c'est son petit côté « Hey les gars, on se calme. Est-ce qu'on pourrait pas... » Moi, ça me fait penser à Tim Burton, on pourrait pas tous être amis. Voilà. Et donc, résultat, oui, ce côté où j'essaye de, à chaque fois dans une situation de trouver soit un compromis, soit une solution, me paraît, oui, effectivement, ça, je l'ai effectivement intégré, cette partie de moi. On a à l'image une des premières planches un peu mémorables de Invincible, puisque c'est le moment où on découvre que le père de Mark a en fait été envoyé sur Terre pour préparer la colonisation de la Terre, et il s'avère qu'en fait c'est pas du tout un super-héros, mais c'est un super-méchant. Et donc ici on a choisi cette case avec Philippe parce que elle représente à la fois deux des motifs, des leitmotifs un peu permanents de l'œuvre de Robert Kirkman, qui sont à la fois la relation filiale, dans à peu près tous les albums de Robert, on a cette relation père-fils, père-fille, cette question de transmission. Et la deuxième chose, c'est la violence. Parce que Invincible est une série de super-héros où, si vous allez voir l'exposition, on a justement fait une sélection de planches d'Invincible qui sont très outrancières, très gore en termes de violence. Et donc je voulais revenir sur ces deux points, cette relation, la question de la relation filiale, qui est transversale à l'ensemble presque de votre œuvre, et la question de la violence. I hope that those two things aren't implicitly connected, but I guess in these works of fiction, you want everything to be heightened, and so family conflicts are one thing, but they're infinitely more interesting if they cross into the area of violence, I suppose. So
there's a very complex father-son relationship at the heart of Invincible. And a lot of that is, you know, when I created Invincible, I was 20, 21. I was very close to the age when you start to realize that your parents are human. You know, you grow up seeing them as these entities in your life that are infallible and this amazing source of structure, and they've kind of built this world for you that you, you know, experience kind of through their perspective. But then as you get into your teen years, you get old enough to start noticing, you know, flaws and deficiencies and human traits in their personality. And you have this transition period where you're like, oh my gosh, no one knows anything. And the world is wide open and I like, what's going on? And you know, that thing that my parents told me when I was young isn't exactly true. I don't know where they got that. Probably from the internet or Fox News. And that's, you know, world shattering. So I didn't find out that my parents were, you know, evil space tyrants or anything like that. But I was very much inspired by, you know, finding out that they were human. And so in developing Invincible, I thought, well, you know, it's a little bit more interesting if as a character is going through this phase, he finds out that, you know, you're a world-conquering evil person. So that would be more entertaining. Go ahead, and I'll get into the violence after. Excellent. Yeah. Donc, bah, j'espère que ces deux thématiques, la relation filiale et la violence, ne sont pas forcément connectées, même si elles le sont dans cette planche. Et cela dit, bah, c'est sûr que sur le plan dramatique, ça aide, parce que les conflits familiaux sont une chose, mais si en plus ça passe dans une autre dimension, c'est quand même plus intéressant. Il faut savoir aussi que quand j'ai commencé Invincible, j'avais 20-21 ans, donc c'est vraiment un âge non seulement assez proche de celui des héros, mais c'est aussi l'âge où vous commencez à comprendre que vos parents, que vous avez regardés dans votre enfance comme deux entités quasiment infaillibles, qui voilà, vous apprennent le monde à travers leur propre perspective, bah vous commencez à vous apercevoir qu'ils sont faillibles, qu'ils ont des défauts, et oh mon Dieu, qu'ils sont humains. Et par conséquent, vous vous réveillez en train de vous dire, mais ah ouais, non mais en fait, il n'y a aucune certitude, il y a voilà, tout ce qu'ils m'ont raconté sur telle chose, c'est pas tout à fait ça non plus, donc voilà, c'est tout ce côté-là. Et maintenant, je vais parler avec joie de la violence. All I would say about the violence is all of my writing is very dependent on shocking moments and startling moments and reveals and things like that, and violence is a great source of that. You can enter into violence in a shocking way. You can escalate violence in a shocking way. You can end violence in a shocking way. So once you're operating in the realm of violence, it gives you a lot of different directions to go within the story that will provide you with those startling moments that I think propel you through a story. And so it is a crutch that I employ at all, as often as possible in all of my work. Une grande partie de mon œuvre repose en fait sur l'effet de surprise, voilà, de tout d'un coup secouer les gens, les troubler, les choquer, les lecteurs. Et du coup, bah, la violence est un outil absolument parfait pour ça. Donc voilà, j'utilise vraiment la violence aussi parce que il y a à la fois, on peut entrer dans la violence d'une manière choquante, on peut assister à une escalade de la violence d'une manière choquante, et on peut sortir de la violence d'une manière assez sensationnelle. Et donc tout cela sert à propulser l'histoire en avant, à vraiment donner une dynamique au récit. On enchaîne avec The Walking Dead. Il y aurait tellement de choses. Oh, mais Walking Dead again. Bon, allez, remets Invincible. Et oui, mais ouais. Unfortunately, we have to move on. Mais c'est vrai qu'Invincible est une œuvre, je le répète, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, vraiment, je vous invite à la découvrir, parce que c'est une œuvre absolument colossale. Il y a au moins une dizaine d'autres thèmes qu'on voulait aborder. Pour parler d'Invincible, il aurait fallu trois masterclass comme celle-là, juste pour Invincible. Et c'est un chef-d'œuvre, en fait, hein, Invincible. Voilà, c'est pas trop pour vous flagorner, même si c'est le cas. Mais c'est une œuvre absolument incroyable. Donc je vous invite à la découvrir... le plus vite possible. Celle-là est pas mal aussi. Pour
Pourquoi vous riez? Oui, alors, donc, nous passons à Walking Dead, bien sûr, l'autre et le plus gros best-seller à ce jour de Robert Kirkman. Alors, que poser comme question qui n'a pas déjà été posée à Robert Kirkman sur Walking Dead? That's my question. Oui. Vous avez dit que c'était du haut niveau, Robert, hein, aujourd'hui. I can't think of it. Non, en revanche, il y a cette image, évidemment, qui est la plus emblématique. Moi, ce que je me posais comme question, c'est aussi lié à votre travail de scénariste, en fait. Comment on arrive à avoir cette image en tête, une image en tête qui va un peu activer le processus de l'histoire? Là, par exemple, c'est Rick sur sa chambre d'hôpital qui se réveille. Comment cette image, elle vous vient en tête? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a un flash? Voilà, pour essayer de comprendre un peu votre travail aussi de scénariste. The source of this is hacky nonsense. When you write a story and you're entering into a world, you need a perspective character to be an audience surrogate. So, you know, if you're doing a very complex sci-fi story, you need someone who doesn't have information so that people can give that character information and the audience can learn that information through him. And so when I was putting together The Walking Dead, I thought, okay, well, gosh, like, I'll have this character be in a coma. He's like a cop, and he's in a coma. So he wakes up and is like, zombies? What's going on? And so that was, you know, the moment, like, he wakes up and, oh, like, what's going on? And him discovering things through walking through the hospital and getting out and everything was, you know, I was in my house, like, I'm a genius. This is going to work out so great. No one's ever done this before. Man, this is great. Never seen Day of the Triffids. 28 days later, didn't exist in America. I think it had come out around the same time in the UK, but I don't live in the UK. I didn't know about that. So I was like, oh man, this is just going to really, this is going to be great. And then the book came out, and it's just, for many, many years, it was, The Walking Dead is derivative, it's a piece of crap, it's totally stealing from this. But at the moment, I was like, oh, brilliant, brilliant. I was very happy with myself. Oui, en fait, c'est tout simplement que pour s'accrocher à une histoire, pour que le lecteur s'identifie, il faut un personnage de préférence qui soit ignorant de ce qui se passe afin que le lecteur puisse découvrir l'action avec lui. Donc là, je me suis dit, je vais mettre le perso dans un coma, ça va être un flic, je vais le mettre dans le coma, et il va se réveiller et il va se dire, oh mon Dieu, des zombies partout. Voilà. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Et je dois dire que quand j'ai fait ça, je me suis trouvé juste génial. Voilà. C'était brillant. 28 jours plus tard, c'est un film britannique dont il n'était sûrement pas arrivé aux États-Unis, on n'avait rien vu. Day of the Triffids, je ne connais pas le titre français. Jour des Triffides ? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne connaissais pas. Donc, c'est sûr qu'au début de Walking Dead, tout le monde a... C'est l'invasion des Triffids. Mais invasion des Triffids, ah bon, très bien. À vérifier. Je vous laisse la joie de vérifier. Et donc, voilà, tout le monde commençait à dire, ouais, Walking Dead, ça y est, ça a été copié sur tout un tas de trucs, etc. Mais moi, sur le moment, génie. Ouais. En France, The Walking Dead a été traduit et adapté chez Delcourt et publié chez Delcourt à partir de 2007. 33 tomes au total, hein, le 33e et dernier tome épilogue vient tout juste d'être publié, et on en profite pour rendre un petit hommage à Edmond Touriol, le traducteur de la saga, qui a fait un boulot assez colossal. Voilà, merci pour lui, qui a fait un boulot colossal sur cette saga. Mm-hmm. On a à l'écran la cérémonie funèbre de Shane, qui est le premier en fait des morts violents. Le premier humain, hein, d'une certaine façon, qui meurt, d'ailleurs des mains de Carl. Ce contrat de lecture, qui est un contrat où vous n'allez pas ménager votre lecteur. Votre lecteur, il est addict, hein, vraiment, à ce récit, et en même temps, il doit supporter des choses épouvantables. Vous lui imposez des choses insupportables. D'où ça vient, justement ? Ça fait rien. D'où ça vient, justement, ce fait de pousser toujours les limites, parce que...
parfois c'est presque on s'attache à des personnages et vous les faites mourir dans des conditions absolument épouvantables. Et tout cela, il faut le souligner, bien avant une série comme Game of Thrones sur laquelle on a abondamment revenu en disant c'est extraordinaire, on fait mourir les héros, etc. Très rapidement. Mais dès 2003 et 2004, ces personnages, vos personnages, vos héros, vous les faites mourir aussi très brutalement et quand vous le voulez. Well, I do. I hadn't read them, but I do think the Game of Thrones novels came out in the 90s. So I'm not going to say I was innovating anything more than George R. R. Martin was. He is a far better writer than me. I don't know. I mean, I think I wanted this world to have stakes. I wanted every issue to seem dangerous. I wanted there to be a tension. I wanted you to feel what I felt when I would watch the Romero movies. I wanted you to be endlessly captivated by this world, but to be terrified every minute that ticked by while you were reading that something horrible could happen. And the only way to build this atmosphere is to kill characters at a frequency that tells you that anyone could die at any moment. And that was kind of a shell game to a certain extent because I knew I wasn't going to be killing Rick or Carl or anybody like that anytime soon, but I would try to make sure that I built up all of the characters around them to the point that I would fool the audience into thinking that they were the most important characters in the world so that I could kill them. I call that the ripening system, where I would have the characters ripen like fruit so that I could pick them. Ouais, ouais, merveilleux. Donc oui, tout ça, effectivement, le fait de... Je voulais absolument que cette série ait des enjeux. Je voulais que le lecteur puisse être effectivement accroché et se demander, en tournant la page, à quel moment quelque chose d'horrible allait arriver. Et la meilleure manière de faire ça, c'est en fait de tuer des personnages à une certaine fréquence. Et en plus... Évidemment, même si je savais que je n'allais pas tuer Rick ou Carl trop vite dans la série, j'essayais de construire, d'étoffer d'autres personnages de manière à faire croire aux lecteurs que c'était des personnages ultra importants et eux de les buter sans remords. Donc voilà, c'est en faisant ça et j'appelle ça le système de maturation. Voilà, un peu comme des fruits. Je fais mûrir des fruits pour mieux les écraser par la suite. Très superbe image, hein, vraiment, bravo. Merci Robert. Sur ce processus d'exécution parfois très cruel de personnages auxquels on s'est attaché. Alors j'ai demandé à Thierry Mornay chez Delcourt, si j'avais la permission de spoiler quelque chose qui arrive tard dans la série écrite de Walking Dead, hein, pas la série télé. Donc attention, ceux qui ne veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Je voulais juste évoquer la mort d'un personnage très important vers la fin du comic book. Vous êtes prêts? Voilà, je prends personne en traître, hein, que personne après aille me pourrir sur Twitter. Voilà, c'est le personnage d'Andrea qui, dans la bande dessinée, est le grand amour de Rick après la mort de Laurie. Et Andrea meurt à la suite d'une morsure de Walker, de mort vivant, et son agonie dure, vous écrivez son agonie, en tout cas dans l'édition française, ça prend une trentaine de pages. Enterrement compris, funérailles comprises. C'est très long, c'est très triste, mais c'est pas de mauvais goût. On est vraiment très ému. Moi, j'ai des petites larmes aux yeux à un moment. Enfin, les adieux des héros et de Rick à Andrea sont vraiment bouleversants, ils sont déchirants. Et je voudrais savoir, quand vous écrivez un arc comme celui-là, est-ce que vous le planifiez depuis le début? Vous savez que ça va durer aussi longtemps? Ou est-ce que vous vous laissez porter par l'émotion pendant l'écriture? Et est-ce que vous pleurez vous-même de ce que vous écrivez? Non pas de dépit, bien sûr. Non, vraiment, sérieusement? Really, seriously? Yeah, I mean, I think one of the reasons The Walking Dead works to the degree that it does is as I'm ripening the characters, I get as attached to them as the audience does. And even though I'm the one killing them,
I feel, I think, the same emotions that the audience feels. So as I'm writing the stories, if I'm upset and I'm moved by this, you know, these lines on paper dying, you know, I think, okay, I think I'm doing it right. Like I'm on the right track here. This is affecting me, so it will hopefully affect the audience. And Andrea's death was a massive gut punch. I think I mentioned it in the letter in the back of the issue, but I plotted that issue on an airplane, and I plot on paper, and I write notes for each page. So that's kind of my roadmap for writing the scripts later. And I was, you know, writing the different scenes of people saying goodbye to Andrea and mapping out exactly how many pages it would take up. And I started getting a, you know, like tear like coming down my cheek here. And I was like looking around to see if anyone was seeing me, because it's like this nut job is sitting here with a pencil, like writing, and he's gonna start weeping here in a minute. You know, and I was doing that man thing where you kind of. Not wiping my face. So I was doing that. You go ahead and get that, and then I'll finish. Oui, bah, en fait, bien sûr que je suis touché. En fait, la manière dont ça fonctionne, je me dis que si, en fait, je ressens moi-même une émotion, une tristesse envers ces personnages qui meurent alors que moi-même, je les tue, bah, forcément, les lecteurs risquent de ressentir la même chose et je suis sur la bonne voie. Cette scène-là, en fait, ce que je fais, c'est que je prépare, je planifie, je prends des notes sur papier. Et en fait, cette scène-là, j'ai commencé à la planifier, à la découper sur un avion. Et j'étais là en train de, voilà, de voir quelles pouvaient être toutes les scènes des personnages qui disaient adieu à Andrea. Et voilà, bon, combien de pages ça allait prendre. Et tout d'un coup, bah, je sens une larme qui coule le long de ma joue. Et là, je fais ce truc de mec. Non, je suis pas en train de pleurer, pas du tout. Tout va bien. Mais en fait, voilà, oui, je me sentais dans cette espèce de situation du gars qui tout d'un coup va perdre le contrôle et se mettre à sangloter. Donc oui, bien sûr, cette émotion, je la ressens moi. Donc j'espère que le lecteur va la ressentir. Voilà, ce que vous avez. Well, I was just going to say, Andrea's death is really one of the most important moments in the series. C'est funérailles, là, ce que vous voyez là derrière. It's definitely a turning point, and it's a marker in that that death is, to a certain extent, different than every death that has come before or after it. It's like everyone gets to say goodbye. She has a peaceful death in her bed. It's a send-off. It's a moment in that most of the deaths before that had been very abrupt and startling. And this one was an inevitable death. And to me, it represented that Rick and the rest of the characters had worked to build a civilization to get to a point where it could facilitate something more akin to how we would say goodbye to an elderly loved one in a hospital facility. You know, just to show that reading this book and spending the time reading this book was paying off. Like, you were actually seeing civilization be rebuilt, and you were seeing some semblance of normal life being brought back to these characters. And it was, you know, very sad, and it was very sad for me, but I was hoping that there would be some hope to it. And making it take so many pages and be such an involved story, I wanted to try and draw as much attention to it as possible that this was a turning point in the series. Bah, la mort d'Andrea a vraiment été un tournant dans la série. Ça a été un moment extrêmement triste, vraiment abrupt. Pas abrupt. C'est que les morts qu'il y avait eu avant, aucune mort n'en ressemblait à celle-là, dans le sens où elles étaient abruptes, elles étaient rapides, il n'y avait pas moyen de dire au revoir. Et là, justement, j'ai étiré cette séquence. Parce que où tous les personnages viennent lui dire au revoir, où elle a une mort paisible dans son lit, elle est très entourée. Et en fait, c'était une manière de dire qu'on était arrivé à un point dans la série où cette civilisation que Rick et ses compagnons avaient essayé de recommencer à bâtir, bah, on était justement symboliquement, à travers la mort d'Andrea, de revivre ça, une mort proche de celle de, voilà, quand on dit au revoir à un être aimé, âgé,
sur un lit d'hôpital. Voilà, on retrouvait en fait, c'était une manière de retrouver la civilisation et que le lecteur puisse se dire que tout ce voyage de plus de 16 ans n'avait pas été pour rien et que sans le dire dans des phrases, enfin de le montrer simplement en images et d'où cette longueur, c'était une manière de montrer voilà, la civilisation était revenue et que tout ça n'avait pas été pour rien. Il y a évidemment encore plein de choses qu'on aurait aimé aborder, le temps file, on voulait parler de Negan, du gouverneur, de tous ces méchants incroyables, de ces grosses quand même, des gens pas très gentils. Vous avez vraiment un don, Robert, pour créer des figures totalement emblématiques du mal. Je ne sais pas d'où ça vous vient. Un mot sur Negan, une inspiration particulière, Negan. Très rapidement. Negan was supposed to be the kind of the evolution of evil in the world of The Walking Dead. We had had the governor and we'd had other villains, and I wanted to be able to top that. But more than anything, I really liked the idea of just making a villain that is at the same. There's like such a dual aspect to his character, and that he is the worst villain who is doing the absolute worst things, but at the same time he is almost one of the most entertaining characters in the book and one of the most compelling characters in the book. I wanted to see if I could get an audience to fall in love with a villain who is absolutely terrible. So that was kind of the game I was playing with myself, the challenge I had given myself. I feel like he ended up in the end being one of the most nuanced characters, I think, in the whole series once we revealed his backstory and got into his personality more. Oui, non, sur Negan, après le gouverneur, donc pour faire pire, c'était quand même compliqué. Et je voulais vraiment faire un vilain qui puisse faire les choses les plus atroces et en même temps être attractif. Et avec Negan, c'est ce qu'on a, un personnage en plus qui, au fur et à mesure de la série, quand on révèle son histoire, là, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, finit par être un des personnages les plus nuancés de la série, qui est capable de faire des choses atroces et en même temps de séduire le lecteur. C'est un des personnages les plus emblématiques et les plus intéressants. Les lecteurs aux États-Unis vous ont pas détesté de ne pas tuer Negan? C'est quand même le pays il y a quand même où la peine de mort est en activité dans pas mal d'États. Not exactly. It was mixed. I think a lot of people wanted him dead early on, but I don't think anyone ever really. There wasn't ever really an overwhelming sense of hatred for the character. He was a very popular character from day one, but there was a faction, and I think still is, of Walking Dead fandom that just doesn't like this character because he killed Glenn. Donc il y a bien qu'il y ait une faction de lecteurs qui détestent Negan parce qu'il a tué Glenn, en dépit de ça, il était question, ils avaient peut-être envie de le faire mourir au départ, mais cela dit, il a été extrêmement populaire dès le premier jour, donc c'est pas un personnage qu'on a envie de voir mourir du coup. And there was a very violent reaction to issue 100. I had forgotten this because I'm old, but where people said they were quitting the book. I got letters about people throwing issue 100 across the room while they were reading it, and people saying they would never come back. I'm never coming back to this book. This was a horrible thing that you did. And then our sales went up. So I was like, whatever. Donc je me souviens, je m'en souviens maintenant, mais avec un peu de retard parce que je suis vraiment très vieux. Il y avait une réaction, mais terrible, très très violente après le numéro 100. Où vous avez fait quelque chose d'atroce, c'est horrible, c'est voilà. Et en même temps, les ventes ont grimpé. Donc, voilà. Alors, une dernière question pour notre part, puisqu'ensuite nous vous laisserons la parole. C'est extrêmement frustrant pour nous aussi, puisqu'on avait préparé plein d'autres choses. Mais un mot quand même sur Outcast, qui est une série en cours, qui est une de vos séries en cours parmi d'autres. Et c'était l'occasion, cette série peut-être, qui relate, pour ceux qui ne la connaissent pas, une histoire d'exorciste, Kyle Barnes, qui est associé à un prêtre, donc pour poursuivre une entité maléfique qui s'empare de différentes personnes autour d'eux, dans une toute petite bourgade qui s'appelle Rome, ouais. C'est ça.
Et c'était l'occasion de parler de quelque chose dont on n'a pas eu forcément beaucoup l'occasion de parler, qui est le dessin. Puisque vous faites à chaque fois des choix de dessinateurs qui sont extrêmement différents les uns des autres, Charlie Adlard, Corey Walker, ici donc Paula Zacchetta, pour ce splendide, parce que c'est un extraordinaire dessinateur, hein, Paula Zacchetta, avec les couleurs extraordinaires d'Elisabeth Prydweiser. La question qu'on voulait vous poser, c'était le choix du dessinateur. Comment un choix s'impose à vous ? Je crois que vous arrivez en plus à dégoter, à trouver des dessinateurs qui sont à ce moment-là peu connus, et évidemment vous les mettez sur le devant de la scène, associés à votre nom. I'm very lucky in that. I think that I have a pretty good eye for art. I keep my ear to the ground in the comic book industry. I'm always looking for you know, new artists. The majority of series I buy is probably for the art. I'm a huge fan of comic book art. I buy a lot of original art. And so I'm always tracking different creators and watching their careers. And every now and then I'll see somebody doing an indie comic and I'll be like, this guy's gonna be really good in a year. I'm very excited about this guy. And I'll kind of watch their career as they improve. So what I'm saying is I am stalking countless comic book artists out there without them knowing it. Which is somewhat creepy. Vous êtes prévenus, les débutants. Voilà pour ceux dans la salle qui dessinent. Donc en fait, j'ai de la chance là-dessus. Effectivement, je pense que j'ai un bon œil pour le dessin. La plupart des séries que j'achète, c'est pour le dessin. J'achète pas mal de planches originales. Donc, et je suis toujours à l'affût. Voilà, vraiment toujours à l'affût pour un nouveau talent. Je vais voir quelqu'un qui va, un dessinateur qui va faire un comic indépendant. Je me dis, tiens, dans un an, lui, il va déchirer. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant. Donc je suis vraiment en train de traquer des nouveaux dessinateurs pour plein de projets. And I have to give credit to one of my closest friends in the world is Corey Walker, who is the co-creator of Invincible. And I've done a lot of work with him. We work very closely. We work in the same studio space, you know, for many, many years in different places off and on. He lived in Kentucky with me when I lived in Kentucky. He lives in Los Angeles now. He's, to a certain extent, my secret weapon. He is very much, you know, finding different things and showing them to me constantly, introducing me to things. He's the cool kid that gets you to listen to the cool music when you're a kid. And makes you feel like you're cooler than you actually are. He actually introduced me to Lorenzo De Felici's work. That's how he ended up doing Oblivion Song. So I have to give some credit to Corey. Ouais, je dois rendre hommage à Corey Walker, donc co-créateur avec moi de Invincible, qui est un petit peu comme le gamin cool qui vous présente à toutes les nouvelles musiques. Et lui, il me montre des choses absolument sans arrêt, me présente des gens. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai trouvé Lorenzo De Felici, donc, qui est le dessinateur de Oblivion Song, un grand dessinateur aussi. Et donc, c'est mon arme secrète, en quelque sorte. Merci beaucoup. Et donc, nous allons maintenant vous... Merci, Robert. Passer. Ces réponses vraiment passionnantes. Ouais. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Il a beaucoup donné. Nous allons vous passer la parole maintenant. Je vais d'ailleurs donner le micro voilà, à quelqu'un qui va faire circuler. On aurait dû le faire avant, d'ailleurs. Dans la salle. Donc, n'hésitez pas à lever bien haut la main pour poser les questions. Alors... Les questions, oui, je voulais les questions pas trop longues pour que Mike puisse, voilà, puisse oui, merci. Traduire. Et voilà, pour qu'il y ait un maximum parmi vous qui puisse poser des questions à Robert. About adaptation, what's how it's to adapt your own comic into another format? Tu peux traduire? Oui, c'est sur. I'm going to speak French to him now. No, about adaptations. I think the question is: are you satisfied with the way your comic books are adapted for the screen, for example? Yeah. I mean, I'm oftentimes doing the adaptation myself now. I love, you know, on Walking Dead, for instance, the changes are, you know, fascinating to me. So the differences in that keep me invested in the show. Creatively, because if we were doing the exact same thing, I'd be bored. That I think is valuable to me. With things like Outcast and some of the things I'm working on now,
I'm the one that's actively adapting them. And it's been great to learn the differences between the mediums, you know, realizing just how much real estate is taken up in comics because things don't move and there's no sound. You know, scenes have to be very succinct and to the point. And when you take those same scenes and you adapt them into television or movies, you know, they flow in a different way and you can sometimes squeeze a lot more information into them. And so I've been learning a lot of those kind of things. And there's also some things that, you know, work well in comics that just absolutely, you know, do not work in moving fiction, I guess I'll call it. So yeah, it's learning those differences that are kind of important that, you know, I've done. Bah pour Walking Dead, en tout cas, ce qui m'a vraiment gardé impliqué dans la série, ce sont tous les changements. Voilà, parce que si c'est vraiment pour faire exactement la même chose que dans la bande dessinée, ça n'a pas grand intérêt. Donc toutes ces surprises, ça m'a vraiment maintenu en alerte. Maintenant, je fais souvent les adaptations moi-même pour Outcast et d'autres séries. Et ça, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est justement d'apprendre les différences entre le médium bande dessinée, le médium télé. Et comme il y a vraiment moyen, je m'aperçois à ce moment-là de comment dans la bande dessinée, il y a une partie très figée des images qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qu'on perd, alors que dans ce que j'appellerais les images mouvantes, mobiles, on peut intégrer énormément d'informations en plus. Inversement, il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien en bande dessinée et pas du tout en télé. Donc apprendre des différences entre les deux, c'est vraiment ce qui continue à me fasciner. Qui a le micro pour question suivante? Hello. Il est où le monsieur? Mr. Krugman. Ok. I'm sorry, my English is very bad. So posez en français. Heureusement, je suis payé pour ça. Voilà, donc c'est bien. Posez en français. J'aimerais savoir en fait, je suis un absolu fan de Walking Dead. Je suis à la fois très heureux et très déçu de la fin, parce que c'est fini. Je voulais savoir s'il y avait peut-être une suite dans le comics, dans l'écriture, sur peut-être Negan ou un autre personnage. Un spin-off, ouais. So, being an absolute fan of Walking Not Dead. Not a spin-off. Yeah. Une suite, oui. Mais qui serait plus sur... une suite, d'accord. Okay. Voilà. D'accord. So, being an absolute fan of Walking Dead, both loving the ending and being devastated because it ended, wanted to know if eventually there would be... another series, like for example on Negan, precisely, which would it eventually. So this is time for a scoop. Sure, sure. Yeah. more than likely not. C'est nul. So no. En forte probabilité, non. And this is my slightly sad, slightly jokey addendum to that. I do leave the option open for if I am ever destitute and can't pay my taxes. And on the verge of homelessness, I will crawl back to The Walking Dead and hope that everyone is still interested. So if I ever need to, or if I'm ever creatively, like, you know, desperate to come back to it, the option is there. But I am very happy with the way the end was. You know, I know Charlie Adlard is very happy with the way the ending came out, and the two of us together. You know, it's a great cap to the end of a massive run, and we do feel like returning to it would taint it in some way. So, so Negan coming out next year. Next question. Donc en fait, oui. Non, mais, et résultat, en fait, oui, il a un petit ajout à la fois humoristique, mais quand même sérieux. C'est simplement le fait que Charlie Adlard et moi sommes très satisfaits de la fin. On trouve que c'est une manière de terminer un run de 16 ans, donc très très long, et d'y revenir serait un petit peu comme l'appauvrir la série, la teinter d'un côté un petit peu négatif. Cela dit, je laisse l'option ouverte pour le cas où soit je serais en pleine faillite, au bord, sur le point de devenir un SDF, et donc à ce moment-là, je ramperais pour revenir vers The Walking Dead en espérant que tout le monde serait encore intéressé. Ou si vraiment, sur le plan créatif, je me sentais vraiment effectivement une envie d'y retourner.
On n'a pas posé de questions du tout sur la série Walking Dead, hein, donc n'hésitez pas si jamais il y en a qui veulent... Bonjour. Monsieur là-bas. Bonjour, merci pour votre travail. Dans la série Walking Dead, Rick affronte des tyrans au fur et à mesure de l'aventure et il recrée une communauté qui est très sociale, très humaine, très égalitaire. On sent un discours politique. Est-ce que vous pouvez nous parler du ressenti du public américain, donc aux États-Unis, où je vais peut-être dire des gros mots, le socialisme est presque diabolisé. Good questions in France, as you can see. Yeah. I'm going to have a good time returning back to America after answering this question. But I think thankfully the socialism is Satanism group is a very loud vocal minority. So the reaction to that story, I did get called a lefty communist a couple of times, but seemed to be, well received. I think that I was trying to kind of portray a naive utopian society where everyone, cooperates and cares about other people. What a novel idea. Tries to strive to make sure everybody is okay. And thankfully, America has not quite gotten to the point where such basically good notions are attacked immediately. So we did okay. Non, on s'en est bien sorti sur les réactions, parce que quand même, le groupe, le socialisme égale Satan, c'est quand même une très, très petite minorité, même s'ils gueulent beaucoup. Mais en fait, non, ça a été plutôt bien reçu, parce que l'image de civilisation est une sorte de... que j'entrevois est une sorte d'utopie où les gens sont solidaires, se soucient les uns les autres, s'entraident, tout le monde espère que tout le monde va aller bien, et que donc en fait l'Amérique n'en est quand même pas au point où de telles valeurs sont immédiatement attaquées par une majorité. Non, pas du tout. Donc voilà, ça a été bien reçu. Question suivante. Tout d'abord, merci pour Walking Dead. Et en fait, juste une question très simple. Comment est apparu le virus zombie ? Sorry, Robert. I did jokingly respond to that on Twitter by saying space pores, because I thought it would be funny to just give a casual answer like that in that setting. But then the media, in the entertainment media in America, ran a few articles about how I had revealed the source of the zombie apocalypse in a tweet. I'm not the president. I would never do such important matters in a tweet. Spaceballs. Donc oui, j'avais rigolé donc dans un tweet en disant que c'était des spores de l'espace. Et après, ce qui était rigolo, c'est que beaucoup de magazines ont dit « Mais comment il a révélé la vérité ?» Je ne suis pas le président actuel, donc il est hors de question que je révèle des choses aussi importantes sur Twitter. On ne saura jamais, donc we'll never know. We'll never know. Yeah, I mean, it's not an important aspect of the story to me. I think that infuriates a certain part of the fan base. The story was always about the people struggling with this event. The cause of the event never really factored in. And it's important to me to focus the story on normal characters and normal people that would never encounter the reason for the apocalypse. They would just be affected by its existence. So we didn't focus on the president or, ambassadors or NASA or, the CDC or scientists, the people that would be monitoring the threat as it occurred and trying to figure out what the cause was. We focused on normal people that would never even see that aspect of the story because I felt like that was a more compelling story.
En fait, je trouvais que ça faisait une histoire plus intéressante de ne pas le savoir. Une partie de des fans, ça les rend dingues, mais cela dit, ça a toujours été une histoire centrée sur les humains et des humains ordinaires, des gens ordinaires. On n'a pas montré le président, on n'a pas montré le CDC d'Atlanta, on n'a pas montré l'armée ou autre qui prendrait en charge, des scientifiques qui prendraient en charge l'origine, la source de ce virus. Il s'agissait de montrer des gens qui étaient affectés par ce virus sans en savoir la cause, c'était pas le problème, et de voir leur réaction. Donc ça a toujours été une histoire d'humains, d'hommes, de femmes. But the last episode from season one on the TV show that takes place in the CDC, was it your decision? No, that was Frank Darabont. I didn't like that at all. Sorry. Voilà. Non, ça c'était Franck Darabont et j'ai détesté, mais voilà. Bon, il va être très populaire en rentrant. Next question. Qui a le micro là? Ah monsieur, allez-y. Bonjour, ma question concerne le personnage de Negan, qui je trouve pour différentes raisons est très proche du Joker dans DC Comics. Oui. Tout simplement par le fait qu'au départ on peut les trouver très foncièrement méchants. Et en réalité, quand on creuse un peu plus l'histoire des personnages, on apprend qu'à la base, ils ne sont pas du tout méchants, que c'est la société qui les a rendus comme ça et qu'ils peuvent même devenir touchants. Donc ma question est la suivante. Vous êtes-vous inspiré du Joker pour créer le personnage de Negan? How dare you? Comment osez-vous? Negan is a much better character than the Joker. Il est bien meilleur que le Joker, bien sûr. Most of those interpretations of the Joker, you know, the Joaquin Phoenix movie, for instance, like a lot of the stuff in the Joaquin Phoenix movie is very original to that movie, and Negan far predates that stuff. So I would say that interpretation of the Joker is a derivative of Negan. Ah, c'est le contraire. Quand on voit le film Joker avec Joaquin Phoenix, une interprétation du Joker, du personnage qui est très particulière à ce film. En fait, visiblement, ça a été inspiré par Negan, donc c'est plutôt dans l'autre sens. And I can already feel myself being crucified across the internet for that answer, so I just want to clarify that I am totally joking. Donc je voudrais bien préciser que je plaisante étant donné que je vais être crucifié sur internet si cette réponse sort. Everything I've ever said about Romero inspiring The Walking Dead is not true. It has always been the Joker. It will always be the Joker. I love the Joker. Everything I've ever done is inspired by the Joker. It is a just high watermark in creativity. Super. Bon, je crois que c'est pas la peine que je traduise là. Question suivante. Monsieur au premier rang. Bonjour. J'aimerais savoir, alors moi c'est une question un peu plus compliquée, j'aimerais savoir comment vous faites pour construire la part invisible du scénario, le canevas en fait. Est-ce que vous utilisez, je sais pas, des post-it de couleurs et vous mettez les choses importantes ou un tableau, je sais pas. I don't know, it's done in a bunch of different stages. As I go about the day living my life, this is the international sign for living my life. Ideas pop into my head on the various projects that I'm doing, whether it be, you know, some big plot twist or even just a minute scene or some interesting line of dialogue that'll push me into a different direction. And I have a notepad on my phone. That I open up and it'll have like Oblivion Song ideas or Invincible ideas or Walking Dead ideas, and I usually have that broken down by issues roughly, and I'll scroll and be like, oh, that was an idea for issue 13, and I'll go in between issue 14 and issue 12, and okay, you know, I'll type this idea here, and so I have this living document in my phone of all these random thoughts that I've had that I have to consult. And so I'll consult that every time I sit down to write an issue. And I have a massive macro plot for each series that just lives in my head. I know exactly, you know, what I'm building towards and what I'm going to do. So that exists. And so between that macro plot in my head and the random jumble of notes in my phone, I sit down with those two things and I start to break out exactly what's going to exist in that issue.
And that's always worked out on paper. I just used normal printer paper, typing paper, and I have a pencil. I have a magic pencil. If anybody wants to hear about this magic pencil, I have a blue Pentel mechanical pencil that my father gave me in seventh grade that I have written every plot for every comic book or every movie or everything I've ever written on paper, I have done with that pencil. I like to think that if I lost that pencil, I would never be able to write. But I break down the pages in pencil. You're gonna have a fun time with this one. Yep. And I just make notes for what happens on every page, and then from there I just work out the script. So that's pretty much the process. There's no boards, there's no post-its, nothing like that. It's all just a sad guy sitting on a plane crying while he writes with his father's ancient pencil. Donc en fait non, bah il y a pas de post-it, il y a pas de canevas géant. Il y a simplement plusieurs étapes. Voilà, quand je suis assis, enfin quand je suis là en train de vivre ma vie, alors ça c'est le signe, voilà, mondial, universel de vivre ma vie. En fait, j'ai des idées qui m'arrivent dans la tête. Et à chaque fois, je décide de prendre ces idées. J'ai les notes dans mon téléphone qui sont classées selon les séries. Voilà, idées pour Oblivion Song, idées pour Walking Dead ou autre. Et classées par numéro. Voilà, par numéro donc, qui sort de manière hebdomadaire aux États-Unis. Et donc, je vais, par exemple, si j'ai une idée pour Oblivion Song numéro 13, bah, je vais scroller jusqu'à ce que je trouve entre 12 et 14, et je vais noter cette idée. En même temps, il y a une sorte de macro-intrigue qui est dans mon cerveau. Et donc, à chaque fois que je vais écrire un numéro précis d'une de mes séries, donc je sors le crayon de mon père, qui est un Pentel mécanique, un crayon bleu que mon père m'a offert quand j'étais à peu près ça doit être la sixième. Voilà, et j'aime à penser d'ailleurs que si jamais je perds ce crayon, bah, je ne pourrai plus écrire du tout. Et donc, en fait, je fais simplement numéro par numéro, je me réfère à ces notes dans mon téléphone et à ma macro-intrigue, et je commence à découper voilà, de manière simple sur du papier, imprimante, tout, voilà, papier. Et donc, en fait, on s'imagine un tas de trucs, mais c'est juste un gars qui chiale sur un avion avec le crayon de son père en train d'écrire des trucs. Voilà. On n'a plus le temps que pour une seule question, je suis vraiment désolé, on aurait aimé que ça soit plutôt vers le fond, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes au premier rang qui l'ont posé, je ne sais pas qui a le micro. Ou alors moi je peux l'amener éventuellement est-ce qu'il y a quelqu'un dans les derniers rangs, enfin ou au milieu qui avait... Make it a good one. sinon, si personne par là-bas veut en poser, on reprend le fil. Ah bah il y a le monsieur. Moi, j'ai je laisse poser au monsieur, on est sûr. Une fois, bon, allons-y, allez-y. Bon, merci beaucoup. Déjà bonjour monsieur Kirkman, félicitations pour votre travail. Moi j'avais une question plus par rapport au marché des comics, qui est un marché très concurrentiel, ou notamment avec les deux Big Two qui opèrent des relaunchs assez régulièrement. Je voulais savoir, vous, dans quelle position vous mettiez et comment vous écriviez vos nouvelles séries, notamment Firepower qui va arriver avec Chris Samsey. Et est-ce que c'était... Quel est l'intérêt pour vous aussi d'avoir fait l'origin story de votre nouveau personnage en TPB et que ce soit publié avant la parution régulière mensuelle? Voilà. TPB, Trade Paperback, hein, c'est bien ça pour... Pas les petits comics mensuels. I think I'm just trying to find new ways to bring new ideas into the world. I think that it's difficult to get an audience to try something new. I think that something that is more familiar is always more appealing than something new. So what I'm trying to do with Firepower, my new book that's launching in April, is try to make it as familiar as soon as possible. So I'm working closely with Diamond Comics distributors and the retail system in the United States and abroad to try and make sure that I can get as much material out in an easily digestible way as quickly as possible. So by launching the Prelude OGN on the last Wednesday of April and the first issue of the series on Free Comic Book Day, a mere couple days away,
I'm giving almost an entire year's worth of story to an audience in a span of 3 days. So if they try this, they'll have just a massive chunk of material to fall in love with that will hopefully get them invested in the series as my co-creator, Chris Somni, and I take them on this wild journey for many, many years. And so I'm just trying to make that initial buy-in as easy and as addicting as possible. En fait, pour des lecteurs, surtout face à un choix aussi pléthorique que tout ce qui sort, je cherche des nouvelles façons d'accrocher le lecteur, parce que le lecteur, en fait, a toujours tendance à aimer ce qui lui est plus familier. Or, l'idée, c'est que ce que j'essaye de faire en sortant le prélude OGN en TPB, tout début à avril, et en lançant le premier numéro 3 jours plus tard pour le Free Comic Book Day, j'essaye de faire en sorte que le lecteur dispose immédiatement de la plus grande quantité de matière possible pour pouvoir immédiatement rentrer dans l'histoire, se familiariser avec, si possible en tomber amoureux. Et voilà, c'est ce qu'on cherche à faire avec Chris Samni, qui est mon co-créateur, de manière à justement accrocher le lecteur rapidement, mais en lui offrant beaucoup d'entrée pour qu'il puisse nous suivre sur plusieurs années. On va conclure et peut-être une petite question sur Invincible. Philippe et moi-même avons entendu dire qu'Invincible allait connaître de nombreux développements à la fois sur le petit et le grand écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 petits mots pour conclure cette rencontre? Coming soon. Bientôt sur c'est vos deux écrans. Mots, hein. C'est deux mots. No, there's unfortunately nothing to report on the film adaptation. Seth Rogen and Evan Goldberg are still very much hard at work on that. I'm hoping that we'll have some movement soon that we can announce, but I will confirm that it is very much still in process. So we're all very excited about that. The animated series that we're doing for Amazon is much further along. It's currently being animated. We had to announce that, I would say, a little bit sooner than I wanted to because we had assembled such an amazing cast that it was starting to leak into the press. And so we wanted to announce the series before people started finding out about the cast in a way that we couldn't control. So that's why there's been such a wide gap since we announced the cast before actually showing a trailer or anything like that, because animation takes so long to produce. But we've been actively working on that in the months since the cast announcement. And I gotta say, it's looking pretty great. It's gonna be a really cool cartoon. We should have something tangible to share with you very soon. I know when, I know what, I cannot say, but you will see snippets of Invincible before the summer. Donc, ouais. Donc, concernant l'adaptation cinéma, c'est encore work in progress. C'est vraiment en développement. Seth Rogen et Ed Goldberg travaillent dessus. Donc voilà, mais je ne peux pas vraiment dire que c'est vraiment en développement. Concernant la série animée, par contre, là, c'est beaucoup plus abouti. C'est en train d'être animé en ce moment. On a dû l'annoncer plus tôt que je ne l'aurais voulu, parce qu'en fait, des rumeurs commencent à circuler, parce qu'on a eu, on a assemblé un cast, notamment de voix, qui donc, dont on est très content, mais il commençait à y avoir des fuites, et on a préféré l'annoncer pour en garder quand même le contrôle de la communication et des informations dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une telle distance entre l'annonce et puis le trailer. Donc là, on peut s'attendre vraiment à ce que vous voyez des choses très intéressantes avant l'été. Sur Amazon, pardon, j'ai oublié de le dire, oui. Amazon, ouais. Voilà. Nous arrivons au terme de cette rencontre qui est passée très très vite, trop vite évidemment, parce que c'était absolument passionnant, on aurait encore plein de questions. Un grand merci Robert Kirkman pour votre générosité au cours de cette rencontre, et bravo. Merci. Merci beaucoup. Thank you.
En fait, il parle parfaitement français, je servais à rien, c'était juste pour... Et on t'a payé très cher, bon sang. Merci beaucoup à vous tous, merci.